Salutations ludiques les amis, c'est Loki qui vous parle et qui vous présente un nouvel épisode des Chroniques de Thierry consacré à la main des 6, le gardien humain Locarius Iskellion. Alors, eh bien, la dernière fois nous nous étions arrêtés après que Traherne nous ait proposé de nous rendre au bosquet, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui en empruntant le portail Azura qui communique donc avec la capitale des Sylvari. Alors, là c'est les humains, là c'est les Nornes, là c'est les Azura, là c'est les Sylvari. J'imagine des rangs de soldats en armure, sous le soleil. Le bruit des bottes qui marchent. Voilà, petit boost de vitesse. Ça ne peut pas faire de mal. La découverte du monde. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant pendant vos voyages? Tout ce que j'ai vu était intéressant. Ah oui, j'avais pourvu. Je me guidais avec les flèches sur la map parce que la capitale Sylvari, je la connais pas du tout. Une lueur dans les ténèbres. Oui, il fait tout flotte. Voilà, ça fait mieux là. On en profite pour découvrir un point. Salutations, mère des Sylvari. Nous venons solliciter votre sagesse. Un instant, Traherne, mon fils. J'ai beaucoup à vous montrer à tous deux. Approchez-vous. Laissez-moi vous montrer le chemin. Ah, l'arbre clair a une manifestation, Sylvari. Je ne savais pas. Arbre-mère, vous avez certainement eu vent des ravages sur l'île de la Griffe. Zaitan attaque en force. C'est la mort dans l'âme que la Thierry a vu ses enfants se faire tuer par la bête. La terre a pleuré et le monde a frémi. Nous cherchons à redresser ce tort. Nous voulons combattre Zaitan et lui reprendre ce qui a été perdu. Nous sommes venus vous demander conseil. La réponse est au cœur de l'avenir de la Thierry et du vôtre. Vous devrez tous deux affronter les ténèbres et devenir des étoiles pour guider les autres dans la nuit. Est-il seulement possible de vaincre Zaitan? Il vous faudra un immense courage. Venez, je vais vous montrer une vision de votre avenir et des défis qui vous attendent. Il est l'heure, mes amis. L'avenir vous attend. Franchir le portail pour rejoindre la vision de l'arbre clair. À quelle sauce va-t-on être mangé dans cette vision? Or est un endroit sombre et infect. Même si j'y suis allé en personne, cette vision... Hâtons-nous. L'arbre clair a encore des leçons à nous donner. Il paraît qu'Or était autrefois magnifique. Une nation à l'égal de la Crite, d'Ascalon et d'Elona. Les dieux humains vivaient dans la ville d'Ara, et les habitants en étaient bénis. Après le départ des dieux, les humains ont formé des guildes pour se faire la guerre entre eux. La guerre des guildes a causé de grands ravages, et les nations ont vacillé. Oui, je connais tout ça, je suis humain, je connais l'histoire. Mes ancêtres se sont battus pendant cette guerre des guildes. Et maintenant le bordel qu'il y a eu après d'ailleurs. Alors, suivre l'arbre clair dans sa vision d'or. Ok.
Votre présence me réjouit. Or, est-il vraiment comme ça? Il n'y a pas moyen de parler au... Non. Où mène cette route, mère ? À l'ancienne cité d'Ara, la forteresse du dragon. C'est votre objectif. En chemin, vous apercevrez des choses qui ne sont pas encore arrivées. Ok, direction Ara. La cité des dieux. Oh, c'est une vision interactive, apparemment. Ça pique. Alors ? Ah oui, d'accord. Mettre pas un trahir sur toi. Putain, déguste mine de rien. Donne-moi la force. Putain. Ah, t'as fini par tirer un, faire un tir, c'est bien, Pépère, c'est bien, ça mérite d'être appâté, hein. Putain, mais je fais n'importe quoi. J'ai vraiment besoin de soins là. Voilà, c'est du mauvais soin. Je suis pas bien réveillé ce matin. Pourtant, ça fait un moment que je suis debout, mais bon. Mal leur jauge de vie avec ce filtre de couleur qu'ils ont passé là. Allez-y, frappez-moi. Je me sens pas bien du tout. Ces monstres sont terribles. Pires que ceux de l'île de la Griffe. Comment pourrions-nous les vaincre ? Seul, c'est impossible. Mais vous allez voir que l'unité permet d'accomplir bien des choses impossibles. Pas passer en dessous. On dirait des canons de char.
défenseur de la Tyrie. Quand Zaitan s'est éveillé, il a trouvé une nation morte et l'a faite sienne. Le dragon s'attendait à conquérir aussi facilement le reste de la Tyrie. Mais nous vivons, nous respirons et nous nous battons. Ensemble, chars et humains, prieurés et veilleurs, toutes les races et tous les cœurs, nous nous dressons contre Zaitan. Le dragon veut nous voir apeurés, car la peur nous diviserait. La peur nous détruirait. Mais je vous le dis, je n'ai pas peur. Je mourrai peut-être, mais je mourrai debout. Avez-vous ressenti cela? C'est le dragon qui a peur. À Arras et à la victoire! Je ne comprends pas. Est-ce une vision de mon avenir? Mais je suis un érudit, pas un général. Vous devrez être ce que la Tyrie attend de vous, mon fils. Vous avez plus de courage que vous ne le pensez. Oh oh, un géant. Pourquoi il me focus direct moi? Je suis même pas censé être là. Balthazar, à l'aide! Balthazar, donne-moi la force! Oh, j'ai encore tombé de touche. Mais... Oh non, voilà un autre.
Tous nos alliés disparaissent, là, j'aime pas trop la blague. Dis donc, madame l'arbre clair, je vois que tu nous donnes une vision, tu pourrais faire que ce soit un peu plus cool? Genre qu'on est invisible? Le passé souille l'avenir. Nos héros sont tombés. Il nous faut les racheter. Vous êtes le catalyseur. À vous de les rassembler, de soigner leurs blessures. Ritluck et Logan. Où étais-tu? Nous avions besoin de toi. Snaf, je n'ai pas pu le protéger. J'entends encore ses cris. Quoi que je fasse, quelqu'un allait mourir. Snaf ou la reine. Il m'a fallu choisir. Vous auriez fait la même chose. Vous tous! En sachant la personne que vous aimez en danger. Vous auriez fait la même chose. Ah, on peut leur parler. Snaf était mon ami. Jenna m'a... Il fallait que je choisisse. Ah non, ils pouvaient pas choisir les deux, ils étaient pas au même endroit. Ok, donc le problème de Ritluck, c'est que apparemment Logan ne s'excuse pas, quoi. Il a pas l'air désolé du choix qu'il a fait. C'est bon à noter si on veut les rabibocher. Petite pause pour le son, et je vous reprends. Et nous voilà repartis. Donc j'ai pensé à remonter un petit peu le son du jeu. Parce qu'il était peut-être un peu léger au début, donc vous entendrez normalement mieux. Un peu. Tu étais responsable. Snaf te faisait confiance. Et il a eu tort. J'ai vraiment tout essayé pour le protéger du danger. J'aurais tout donné pour qu'il ne meure pas. Ça n'a pas suffi. Tu as échoué. C'est toi qui aurais dû mourir, Eir. Et pas lui. Ouais, bah ça évidemment, la mort de Snaf, c'était donc le maître de Zodja. Vous voulez discuter de quelque chose ? Eir ne sert à rien et les autres sont fous de la suivre. Je peux vaincre le dragon moi-même. Observez. Ce n'est pas ce que Snaf aurait voulu. Snaf aurait voulu la victoire, pas de vulgaire sac de peau. Comptez-vous vraiment condamner tout le monde par votre obstination? C'est ce que j'appelle de la persévérance. N'est-ce qu'on t'est pas me faire changer d'avis? En même temps, Inazura, j'y comptais pas trop. Surtout quand c'est qu'une vision. Que les esprits de la nature veillent sur vous. Son fantôme me hante. Je n'ai pas été à la hauteur, pour aucun d'eux. Vous n'avez pas obligé à Logan à partir. Pourquoi serait-ce de votre faute? J'ai élaboré la stratégie. J'ai offert à Logan la possibilité de partir. J'aurais dû le forcer à rester. Vous ne pouvez pas tourner le dos à la Tyrie à cause d'une erreur. Bienvenue. Pas de nouveaux dialogues qui sont apparus. Oh là, j'avais pourvu lui. Il immobilise en plus le salaud. Alors, on a vu... Ah bah il reste Case. Et Faolaine. J'ai essayé de toutes mes forces. Ils se disputent sans cesse.
Ils refusent de comprendre que les dragons sont plus importants. Ils vont tout gâcher. Je suis toute seule. Et je suis lasse. Tiens, il manque la voix de ma mère. Reviens-moi. Si le monde touche à sa fin, passons ces derniers jours dans les bras l'une de l'autre. Oh, tu m'as tellement manqué, Faolein. Tu es tout ce qu'il me reste. Pour toi, oui, je sombrerai dans le cauchemar. Qui êtes-vous? Je n'ai jamais fait partie de leur pitoyable petite bande. Je suis la grande duchesse de la cour des cauchemars. Elle m'appartient et je lui appartiens. D'Ascalon. Les Tchars attendaient une faiblesse de ce genre à exploiter. Donc, les Tchars ont ravagé Ascalon avec leur chaudron brûlant, et ils ont marché sur Or. Ils se sont fait rétamer. Quand tout espoir fut perdu, un Orienne, le vizir Kilbron, lut les parchemins oubliés et libéra une ancienne malédiction. La malédiction a anéanti l'armée des Tchars, mais elle a aussi détruit Or. Un cataclysme a plongé la nation dans l'océan. Tout était perdu. Tu crois que c'est franchement le moment de me faire un cours d'histoire? Allez, Case, faut pas que tu rejoignes Faolein. Donc Faolein, c'est la duchesse de la cour des cauchemars, mais grosso modo, c'est la chef d'un groupe de méchants Silvari. Le monde est fait pour être exploré. Si vous entrez dans le cauchemar, vous n'en reviendrez jamais. Ok. Même Case a l'air de baisser les bras. Il y a encore Bibi qui va devoir sauver le monde, quoi. Et protège pas contre ça. Alors, l'arbre clair, qu'est-ce que t'as à nous dire encore? Mais attention, l'avenir peut changer en un clin d'œil.
Balthazar, donne-moi la force. Pas l'air d'utiliser à bouger celui-là, tant mieux. Repose-toi, dors. Petite coupure pour le son. Et nous sommes repartis. Pourquoi je m'y attendais gros comme une maison. Oh, mais c'est pas ce que je voulais faire. À changer cette compétence là qui en solo ne me sert strictement à rien. Allez, ça pour avoir un bon gros bœuf des familles. Œil de Zaitan. Ok, d'accord, ça va fighter dur. Et comme prévisible, c'est pas un monstre de corps à corps. Bon, ça va. Tape fort, mais on a vu pire. Rafraîchissant. Il peut tourner son projectile pendant qu'il... Donc ça sert à rien d'essayer de l'esquiver. Allez-y, frappez-moi. Bah, j'ai mieux. Le dernier roi d'or. Voir le ciel, sentir à nouveau le vent et le soleil. Ma nation a beau avoir sombré, le sang s'écoule encore lentement dans ses veines. Or était autrefois le cœur débordant de vie de la Tyrie. J'étais le dernier d'une lignée de fiers souverains. À présent, mon pays est réduit en esclavage. Que recherchez-vous ici? Or n'a plus rien à offrir, hormis des cendres et des os. Nous sommes venus combattre Zaitan. Nous venons vous demander conseil.
Zaitan peut être vaincu, mais cela ne sauvera pas Or. La Terre doit être purgée de ce poison. Cherchez-en la source. Zaitan en est-il la source ou existe-t-il un autre poison qui souille Or? Dites-le nous. Cherchez la source. Purifiez Or. Cherchez la source. Ok. Non, faut se rendre là-bas. C'est Zaitan, le dragon mort-vivant ancestral qui a hissé Or des profondeurs. Le massacre d'Or a donné au dragon un terreau fertile où faire pousser son horrible armée. Le pouvoir de Zaitan ne se limite pas à cela. Dans le carnage, son armée se renforce. L'île de la Griffe n'était qu'un début. Les dragons sont l'essence de la destruction. Ils ne s'arrêteront pas avant d'éliminer toute vie en Tiri. C'est des gros méchants pas beaux. On a compris. Bon, c'est pas par là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Les statues de Lissa, la déesse humaine de l'illusion. Et quoi là-haut? Rien. Bon, apparemment, il faudrait ressortir. Ça. Oh, je me suis trompé de bouton. Boulet. D'être encore un corps à corps. Bon, c'est pas tout ça, mais on y va comment jusque là-bas? Peut-être pas ce chemin-là. Oh merde, je l'avais pas vu venir lui. Oh.
J'entends des ploum, ploum, ploum. Comme si une grosse bête marchait quelque part. Ça risque de mal finir. Ah d'accord. De nouvelles zones à explorer. Bon, c'est pas ici. Parce que c'est en montant par les marches, là. Non, je croyais que tu connaissais Or comme ta poche, ça serait pas mal de me montrer le chemin. Votre dernier défi sur la route d'Arra sera le gardien de la porte. Ensuite, je ne puis le prévoir. Jadis, j'ai donné cette épée à l'un de mes fils bien-aimés. À présent, je vous la confie, Traveur. Elle s'appelle Kaladbolg. Portez-la avec honneur et cette épée ne vous décevra jamais. Mesurez-vous au gardien, puis revenez me voir au bosquet. Bon, c'est parti pour le gros fight alors apparemment. Mais avant, petite coupure pour décalage de son. Et c'est reparti. Bah alors, les jetons. C'est une grosse bataille, on va quand même mettre son casque. Come on!
à connaître ton rythme, hein, Pépère. Ah, là, j'ai pas le temps. Allez, puissance maximum, plein ta tronche. Trop facile. Parler à l'arbre clair. Bonjour madame, c'est moi, je retire mon casque, je suis poli, tout ça. Alors, vous voyagez dans une contrée à qui l'on a arraché tout espoir. La volonté du dragon s'y manifeste. Ici, la peur règne en maître, et grâce à cette arme, Zaitan vous frappera en plein cœur. De quoi avez-vous peur, Locarius Iskelion? Je crains qu'un jour mon devoir ne me pousse à condamner quelqu'un à l'agonie. Je ne supporterai pas l'idée de savoir que je suis à l'origine des souffrances d'autrui. Ouais, en gros, par contre, si c'est un méchant, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Ouais, ça fait un peu... un côté un peu idéaliste, prétentieux, je prends celui-là. Ma plus grande peur est d'échouer à tel point que je perde le respect de mes camarades, de décevoir mes compagnons et d'être déshonoré. Il est bon de tenir ses amis en estime, mais il est mieux d'être à la hauteur de ses propres idéaux. Ne l'oubliez pas quand vous vous retrouverez seul. Merci, Arbre Clair. Je n'oublierai pas votre sagesse. Ouais, tu parles le truc de base. Connaître l'avenir, ne serait-ce qu'hypothétiquement, peut être un lourd fardeau. Je suis navré de vous voir forcé d'emprunter cette voie, brave héros. Est-ce inévitable, mère? Dois-je prendre Caladbolg et m'enfoncer au cœur d'or? Et l'île de la Griffe? Pouvons-nous la reconquérir et sauver l'Arche du Lion? Je le crois, mais ce ne sera pas votre première épreuve. Le dragon cherche à détruire ses ennemis avant qu'il ne puisse frapper. Je vois dans le rêve que les forces de Zaitan entrent en action, non contre l'Arche du Lion, mais au cœur de votre ordre. Le quartier général de mon ordre? Non. Comment est-ce possible? Comment Zaitan pouvait savoir? Ceux qui ont été corrompus dévoilent tout à Zaitan. Rien n'est secret. À commencer par les cachettes de ses ennemis. Si mes amis sont en danger, je dois les rejoindre pour les prévenir, ou ils vont se faire massacrer. Je viens avec vous. Nos destins sont liés et à compter de ce jour, nos batailles le sont aussi. Au revoir, âme vaillante. Que votre grand chasse soit couronné de succès et que votre courage illumine l'obscurité de la nuit. Et bien voilà qui conclut ce présent épisode, en espérant que vous avez passé un bon moment à le regarder. On sait que du caca tout ça. Je vous dis donc à la prochaine pour donc aller à la défense de mon ordre. J'en ai terminé avec ça. En attendant, bonne journée et bye bye.